Gérard Lacroix bíboros úr a kanadai Quebec érseke. Élettörténete azonban Amerika déli részét is magába foglalja, hiszen hosszú éveket töltött Kolumbiában misszionáriusként. Olyan plébániát látott el, amelyben nem volt más közlekedési lehetőség, mint az összvér. Tehát hosszú órákon át utazott egyik helyről a másikra, sok olyan helyen is kellett működnie, ahol villany sem volt, mégis összejöttek a hívek, gyertyafénnyel megtartották a szentmiséket, és átérezték azt, hogy Krisztus körül egyetlen közösséget alkotnak. Lacroix bíboros urat közelebbről akkor ismertem meg, amikor Peruban jártunk és a Limai Katolikus Egyetemet vizsgáltuk, azt hiszem ez is egy nagyon értékes, közös tapasztalat volt a számunkra. Quebec városa korábban otthont adott egy nemzetközi eukarisztikus kongresszusnak. Ennek az élményei és a tartós eredményei még ma is megtalálhatók abban az egyházmegyében, Lacroix bíboros úr erről élő tanúságot tud tenni. Chers frères et sœurs dans la foi, je vous salue chaleureusement depuis la belle ville de Québec, au Canada. Ici même, en 2008, nous avons vécu un congrès eucharistique international qui a porté beaucoup de fruits. Et nous nous préparons pour le prochain congrès eucharistique qui sera à Budapest, en Hongrie. Il devait avoir lieu en septembre de cette année, mais il a dû être reporté en septembre 2021 à cause de la pandémie du COVID-19 que nous traversons. Oui, cette pandémie a laissé beaucoup de gens avec toutes sortes de réflexions, de craintes, de peurs, d'angoisses même. Raison de plus de nous approcher du Seigneur. Lui qui nous dit toujours, c'est moi, n'ayez pas peur. Faites confiance, je suis là. C'est Jésus qui a dit aussi à ses disciples, juste avant de retourner auprès de son Père, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. L'Eucharistie est cette présence du Seigneur qui fait route avec nous. Au cours des derniers mois, j'ai longuement réfléchi et médité ces mots de Jésus dans l'Évangile. Et c'est d'un grand réconfort de savoir que nous ne sommes pas seuls. Un congrès eucharistique permet de nous rassembler, d'approfondir notre foi, pour revenir chez nous et rayonner la joie de l'Évangile. On s'est rendu compte au cours des derniers mois combien nous ne pouvons pas vivre sans l'Eucharistie. Sans cette nourriture de la parole de Dieu, de la communion eucharistique, mais aussi de cette communion fraternelle qui nous rassemble, nous ne pouvons pas avancer dans la foi et être de véritables disciples missionnaires au cœur du monde. C'est pourquoi je pense que cette pandémie nous laisse une invitation à avancer dans la foi, dans la confiance, et nous laisser envahir le cœur, nourrir le cœur par cette source qui est sûre, qui est celle de Jésus présent dans l'Eucharistie. Lui qui nous amène, qui nous conduit à la communion profonde avec le Père et l'Esprit-Saint et entre nous. Lui qui bâtit l'unité. Frères et sœurs, j'ai très hâte de vous retrouver en septembre de 2021 à Budapest. Ce sera un rassemblement universel qui va nous renouveler et nous donner à nouveau cette joie de la présence du Seigneur en nous, dans les autres et au cœur de notre monde, afin qu'on en rayonne auprès de nos frères et sœurs, afin qu'on puisse, comme Jésus nous y invite, à passer sur l'autre rive et aller à la rencontre de ceux et celles qui ne connaissent pas encore la joie d'être aimés de Dieu, la joie de faire route comme disciples avec le Christ. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt à Budapest.